Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe du taureau avec son archange. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Mais avant tout, petit rappel, le pouvoir des archanges. Eh bien, les archanges sont des anges supérieurs, placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses, ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole de leur caractère divin. Le nombre varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard, n'est-ce pas? Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation. Et les anges du zodiaque, n'est-ce pas, veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés, quel chemin emprunter et quel but poursuivre. Donc, les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent. Eh bien, nous allons faire le taureau, et le taureau, c'est l'archange Chamuel ou Samuel, celui qui voit Dieu. L'archange Chamuel ou Samuel est associé au signe du taureau. Il aide à restaurer la paix familiale, à trouver un équilibre dans ses relations humaines. Si vous avez envie de retrouver une paix intérieure, d'améliorer vos relations, que ce soit au travail ou à la maison, n'est-ce pas, appelez l'archange Chamuel ou Samuel à la rescousse. Il vous aide à traverser des moments émotionnels compliqués. Il vous aide aussi à découvrir qui est votre âme sœur. On dit aussi qu'il est capable de nous aider à retrouver les objets perdus.
ce bel ange, celui qui voit Dieu, ce bel archange. Il est un puissant archange qui peut vous aider à des moments difficiles de votre vie. Il répand de l'amour pur et inconditionnel dans notre cœur et vous aide à trouver le chemin vers le pardon. Il est connu pour être l'archange guérisseur de cœur. C'est le plus compatissant de tous les anges. Il incarne l'amour du divin pour toute l'humanité. Dans quelle situation invoquer l'archange Chamuel ou Samuel? Ce bel archange peut vous apporter son aide pour trouver l'âme sœur ou pour guérir votre cœur meurtri à cause d'une relation. C'est l'ange de l'apaisement et de l'amour. Il peut apaiser toutes les tensions qui existent dans vos relations pour y apporter compassion et tolérance. Il soulage vos douleurs de cœur et sera présent à vos côtés durant tout le processus de guérison. Vous pouvez donc faire appel à lui pour résoudre des conflits, guérir d'une situation difficile, apprendre à pardonner et améliorer vos relations avec les autres. Il vous aide à traverser des moments émotionnels compliqués. Comment invoquer l'archange Chamuel ou Samuel? Isolez-vous dans un endroit calme et relaxez votre corps et votre esprit. Pensez à ce que vous souhaitez demander à ce bel archange. Visualisez la présence de l'archange autour de vous. Imaginez sa lumière qui vous irradie au plus profond de vous-même, jusqu'à votre cœur. Demandez-lui d'intervenir dans votre vie. Vous pouvez à ce moment être plus précis en fonction de votre besoin du moment, n'est-ce pas? Imaginez que votre cœur s'épanouit et guérit de ses blessures. Laissez-vous toucher par sa bonté. Une fois que votre demande est terminée, n'oubliez pas de remercier l'archange pour ses bienfaits. La pierre qui lui est associée est la fluorite ou fluorine. Prière à ce bel archange. Cher archange Chamuel ou Samuel, favorise le bonheur en moi, dans mon cœur et mon chakra du cœur, en envoyant ton rayon rose de lumière qui guérit toutes les blessures physiques, émotionnelles et spirituelles. Active l'amour en moi sur tous les plans et fais grandir cet amour jusqu'à ce que ma vie soit amour et augmente l'estime que j'ai de moi-même et d'autrui. Je te prie. Je te demande aussi de guérir mes anciennes blessures
qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Et fais que tout mon être soit lumière, amour, pureté, afin que je sois dotée d'émotions nobles et d'un amour inconditionnel pour le bien d'autrui. Je te remercie d'ouvrir mon cœur à l'amour, au bonheur et d'intercéder à sa guérison. Merci avec toute ma gratitude. Faites une prière pour le remercier. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À tout bientôt.